Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, on va planter le décor tout de suite. Ce qu'on va vous offrir aujourd'hui, c'est un truc de malade. Tout d'abord, une Ferrari 250 SWB pour short wheelbase ou châssis court. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du châssis 2209 GT, lauréat de l'édition 1960 du Tour de Corse en GT avec Josh Lesser. Et comme on n'est pas du genre à faire les choses à moitié, on lui oppose, pour ce twin test, sa petite sœur, la voiture la plus mythique de l'histoire, à savoir la 250 GTO. Et le truc le plus dingue, c'est que c'est la deuxième construite et la première adaptée à la course. Son numéro de châssis, 3387 GT. Deuxième des 12 heures de Sebring en 1962 avec le duo Phil Hill-Olivier Jean Debien, elle a même participé aux 24 heures du Mans quelques mois plus tard avec Bob Grossman et George Robert Jr. Et comme on ne pouvait pas en confier le volant à n'importe qui, on a choisi deux pilotes cumulant 37 participations aux 24 heures du Mans pour 5 victoires toutes catégories confondues, Emmanuel Collard et Benoît Trélulier. Jouissant d'une polyvalence hors pair, la 250 SWB est aussi à l'aise en circuit que dans les spéciales. Même Stirling Moss disait qu'elle était très difficile à prendre en défaut. Révélée au Salon de Paris en 1959, elle est dotée d'un châssis de 2400 mm contre 2600 aux berlinettas précédentes telles la Tour de France châssis long ou les berlinettas intérim. Mais souhaitant qu'elle soit utilisable par monsieur et madame tout le monde, une version route est sortie en carrosserie acier. Accusant 1100 kg sur la balance, elle rend pas moins de 140 kg à la version course, qui fait la part belle à l'aluminium. Dessinée par le légendaire Pininfarina et fabriquée par Scaglietti, elle cache sous son capot un V12 Tipo 168 ouvert à 60 degrés de 3 litres de cylindrée qui a évolué au fil du temps pour passer de 240 chevaux à 295 dans sa version Competition. La 250 GTO n'a, tenez-vous bien, été produite qu'à 39 exemplaires, mais il en reste beaucoup moins aujourd'hui, ce qui en fait la voiture la plus prisée des collectionneurs. Cette merveille, on la doit au génial designer Giotto Bizzarini, qui en a fait une création des plus abouties et adulée par tous les pilotes qui ont eu la chance d'en prendre le volant en compétition. Elle n'est pourtant qu'une évolution de la 250 SWB. Cette dernière plafonnant à 250 km/h, un gros travail a été entrepris au niveau de l'aéro pour affronter la longue ligne droite des Hunaudières du circuit des 24 heures du Mans. En a résulté une ligne unique, abritant un V12 de 3 litres emprunté à la 250 Testarossa. Présentée le 24 février 1962, elle a même remporté 3 fois de suite le championnat du monde de grand tourisme de 1962 à 1964. Thank you.
À voiture exceptionnelle, pilote exceptionnel, privilège de l'âge, Manu Collard, lauréat des 24 heures de Daytona, lauréat des 12 heures de Sebring, Ben Trilullier que vous connaissez déjà sur Once Upon a Car, 12 départs, 3 victoires au Mans. Alors les gars, vous en avez pensé quoi de ces deux mamies? Plutôt très bien, les voitures sont magnifiques comme vous pouvez le voir. Et au niveau comportement aussi, c'est des voitures qui sont assez fantastiques à rouler. C'est un peu différent avec le châssis court. Elle est un peu plus, on va dire, civilisée, c'est-à-dire que la boîte est un peu plus facile à manipuler. La GTO, c'est quand même plus typé course, avec une boîte un peu plus dure à utiliser, le moteur qui prend plus de tours, le bruit du moteur aussi qui est assez conséquent. On ne peut pas l'utiliser sans mettre de casque, donc c'est assez bruyant, mais voilà, donc deux super voitures. En gros, il a tout dit, hein. J'ai plus rien à dire. Non, mais ouais, après, moi je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus proches, tu vois, au niveau comportement. Là, elles sont vraiment quand même bien, bien différentes. Comme il dit, celle-ci, elle tourne beaucoup plus facilement et un peu plus vive, l'arrière un peu moins stable. Celle-ci, tu sens que tu peux attaquer un peu plus, mettre les gaz un peu plus fort en sortie de virage, plus calé derrière. J'étais surpris par celle-ci, par la motricité. Parce que des fois, on s'est dit, on va la faire un peu dériver, un petit drift, mais non, ça tenait, c'était incroyable. Et moi, je suis vraiment surpris, agréablement surpris à ce niveau-là. Et le moteur, tu vois, c'est quand même les deux mêmes moteurs. Mais alors, celui-ci marche entre, on va dire, 3500 et 5500 tours. L'autre, c'est plus à partir de 5500 tours ou jusqu'à 7500, où là, ça prend les tours, c'est juste hallucinant, une vieille grand-mère comme ça. La boîte, en effet, où tu fais vraiment gaffe parce que tu passes en deux, tu as la marche arrière qui est juste en face de la première, là c'est vraiment chaud, tu n'as pas envie de mettre la marche arrière. La boîte, c'est vrai que celle-ci est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Celle-ci, il faut vraiment qu'elle chauffe, tu sens que l'huile, au début, tu as du mal à passer les rapports. Donc voilà, c'est deux voitures bien, bien différentes et le moteur, ça c'est la grosse différence aussi. Donc un qui a beaucoup de couple et l'autre qui monte vraiment haut dans les tours, tu sens qu'elle est vraiment très typée circuit et celle-là plus typée rallye, quoi. Bon, vous avez conduit des engins exceptionnels durant votre carrière. Ça fait quand même quelque chose de conduire une 250 SWB et une 250 GTO. Ouais, forcément, quand tu connais la carrière de cette voiture, de la GTO, forcément ça fait quelque chose de rouler dans une voiture qui a pratiquement 60 ans. Avec des performances comme elle a aujourd'hui, c'est exceptionnel, quoi. Moi, ce qui m'a surpris vraiment, alors déjà génial de pouvoir conduire une voiture comme celle-ci. Je veux dire, c'est une voiture qui est mythique, tout le monde en rêve, c'est la voiture qu'il faut avoir. Et d'avoir la chance de pouvoir la conduire, déjà merci beaucoup. C'est éclaté dedans, on a pu rouler comme on a roulé dans des voitures comme ça, de nous laisser faire ça, c'est quand même une chance assez incroyable. Et voilà, ça c'était vraiment sympa. Ok, il faut en choisir une. Je prendrais plus celle-ci, c'est plus pour les anciens, tu vois, celle-ci. Plus confortable. Bon, je prends l'autre. Bon, ça va. Pas besoin de Shifumi. Merci, les gars. Merci. Allez, merci.